Sois prudente, Jennifer. Cette horrible créature est toute proche. Elle peut se trouver n'importe où, surgir à n'importe quel moment. On ne peut pas savoir. Elle pourrait très bien franchir cette porte maintenant. Franchir la porte comme ça? Il n'a pas tort, Squeak. Une créature horrible pourrait se trouver dans le jardin et franchir cette porte à tout moment. Oh. Oh. Regardez ça! Un accordéon! Hein? Un accordéon? Oui, en fait, je l'ai trouvé en fouillant dans le grenier de mes parents, mon vieil accordéon! Ne me dites pas qu'il va voir s'il a pas perdu la main! Et je voulais voir si je n'avais pas perdu la main! J'en étais sûr! Je peux peut-être encore m'échapper discrètement! Je vais me cacher dans un autre pays! Non! Sur un autre continent! Une autre planète! Une autre galaxie! J'y survivrai pas! Sans vouloir me vanter, à l'époque, j'étais plutôt doué. Ah oui, quand ça? Au Moyen-Âge ou à la préhistoire? Je me demande où je pourrais travailler mes gammes. Pourquoi pas le pôle sud? C'est charmant cette saison. Je me demande si ça fait le même effet à Squeak. Sans doute. Ah ouais? Oh, il a pas l'air d'aimer mes oncles. Fais quelque chose, Garfield. Arrête ce bruit affreux. Si seulement je pouvais. Une étude a prouvé que l'accordéon désaccordé est deuxième sur la liste des instruments les moins appréciés au monde. Et le premier? Ah, la cornemuse trouée. Oh, je vois. J'ai comme l'impression que John a trouvé où jouer. Enfin, si on peut appeler ça jouer. Ce sera toujours trop près, de toute façon. Mais qu'est-ce qui lui a pris de rejouer de ce truc? Aucune idée. Faut avoir du vide entre les oreilles pour apprécier cette cacophonie. Ben voilà, tel chien, tel maître. Garfield, qu'est-ce qu'on peut faire? Attends, j'ai une idée. Odie, c'est super. Je vais m'exercer jusqu'à ce que je joue comme un pro. Eh oh, l'homme accordéon, tu as une souris chez toi. Viens me chercher. Une souris. Il y a encore une souris chez moi. Pour vous servir. Attrape-la, Odie, vite. Un bon chien. Attrape cette souris. Attrape-la. Je suis pile à l'heure. Dans la benne et bon débarras l'accordéon. Allez, dernier arrêt avant le dîner. Où est-ce qu'on mange? Où tu veux. Oh, la douce odeur des poubelles. Ça m'ouvre toujours l'appétit. Tiens, celle-là, elle est vide. On dirait que quelqu'un a acheté un accordéon en parfait état. Jette-le avec le reste des ordures. J'en jouais quand j'étais jeune. J'ai eu mon petit succès au collège. Et puis j'ai arrêté quand j'ai commencé ma carrière d'éboueur. Je te vois venir, Pierrot. Tu trimbales pas ça dans mon camion à ordures. Tu trouves pas que cette souris ressemblait à celle que Garfield a chassée la semaine dernière? Et à celle d'il y a 15 jours? Et aussi à celle d'il... Mon accordéon! Je l'avais posé là, il a disparu! Mais où est-ce qu'il a bien pu passer? Hé, hey, monsieur! Oui? Je crois que c'est à vous, cette chose! Faut pas jeter ça dans les poubelles, hein! Nous ne prenons pas les produits dangereux! Mais comment il a atterri là-bas? Tu entends ça, Squeak? Non, je n'entends rien du tout. Exactement. Et c'est ça qui est merveilleux. Je crois que je vais faire un petit somme. Mais
Après cette course avec Cody, moi aussi j'ai besoin de dormir. Oh, qu'est-ce qu'on est bien. Fini l'accordéon, plus jamais, jamais, jamais. Je vais te jouer une berceuse, Garfield. Garfield, ça marche, c'est bon. Oh là 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 là, qu'est-ce que je dois faire? Appeler les pompiers ou bien le vétérinaire? Attends, il paraît que la musique aide à guérir les malades. Je vais lui jouer un petit air. Tu veux m'achever, c'est ça? On dirait que ça va mieux. Mais il faut rester prudent. Je vais chercher la trousse de premier soin. Je dois me débarrasser de ce truc immédiatement. Je vais le mettre dans un endroit où on ne le retrouvera jamais plus. Mais où est passé Garfield? Et où est mon accordéon? Il faut que je retrouve Garfield et mon accordéon. Je pourrais peut-être l'envoyer dans un pays lointain. Ah non, c'est comme ça qu'on déclenche les guerres. Je sais ce que je vais en faire. Adieu à jamais, saleté d'accordéon. Ma conscience me dit que c'est mal, mais mes oreilles me disent... Garfield, on refuse de subir plus longtemps, ce rafut. Elle m'a tout. Mmh. T'as pas lu le panneau? Alors, il est interdit de jeter dans le lac tout déchet toxique, substance chimique, poison, matière dangereuse, en particulier les accordéons. Tu veux rendre les poissons sourds, c'est ça? Je suis maudit. J'ai plus qu'à trouver un autre coin pour le jeter. Oh ! Un bon truc pour se débarrasser de quelque chose, c'est de faire croire à quelqu'un qu'il a de la valeur. Oh, mais regardez donc le magnifique cadeau que j'ai reçu ! Aujourd'hui, je suis d'humeur généreuse. Oh, merci. De rien. Libre, enfin, libre, comme la vie est belle sans accordéon. Hé, hey, chat, c'est pas mon anniversaire que je sache. Alors tu reprends cette horreur et si tu veux t'en débarrasser, t'as qu'à aller le jeter dans le lac. C'est ma dernière chance. Et voilà. Maintenant, je suis sûr de plus jamais voir cet instrument de malheur. D'abord, mon accordéon qui disparaît. Ouais. Et maintenant, Odie qui est parti je ne sais où. Que fait-il, bon sang? Et où est-il? C'est pas possible. Ça doit juste être un cauchemar, c'est ça? Oh, je vais m'endormir. C'est rien. C'est lui. C'est le cri de l'accordéon de John. Je l'en connais, c'est lui. Il revient me hanter. Il me dit que j'ai essayé de le faire disparaître. C'est un cauchemar. Je vais me réveiller. Ça vient de la cuisine. Je vais quand même aller jeter un œil. Oh, c'est son fantôme. C'est impossible. Je t'ai enterré. Tu ne peux pas être là. Qu'est-ce que c'est? Avec mon accordéon.
l'accordéon qui a commencé. Il est venu pour se venger. Viens, Garfield. On va chez le vétérinaire. Courage. Tu devrais être sur pied dans 2 petites semaines. Oh, je sais, Squeak. Ce qui me déprime, c'est que John a récupéré son accordéon. C'est sans espoir. Relax, Garfield. Tout à l'heure, j'ai entendu John dire qu'il ne pouvait plus en jouer à cause de la terre qui s'est coincée dedans, je crois bien. Sans blague. C'est génial. C'est la meilleure nouvelle de l'année. Garfield, je suis vraiment désolé. Je voulais te jouer un petit air d'accordéon pour te distraire. Malheureusement, le mien a rendu son dernier souffle. Oh, bonne nouvelle. C'est pas moi qui vais le regretter. Je voulais en acheter un autre, sauf que... ils étaient tous vraiment trop chers. Oh, ça va être difficile, mais je vais me faire une raison. Mais tu as de la chance. Il leur restait 7 articles. Oh non, pas ça. Non, non. Arrête. Non, pitié. Je préférais encore l'accordéon. Je t'en supplie, stop. Je suis ravie de t'avoir à dîner ce soir, Lise. Ah oui, avant que j'oublie, essaie de ne pas arriver en retard, s'il te plaît. Très bien, je serai là pile à l'heure. Mais qu'y a-t-il de si important ce soir? Tu me fais une surprise? Non, mais si tu es en retard, il pourrait ne plus rien y avoir à manger. Même si elle est à l'heure, je promets rien. Je me mets à la cuisine d'ici peu, je compte préparer une dinde rôtie. Hein? Une dinde rôtie? J'ai gagné une dinde à la tombola, on doit me livrer d'une minute à l'autre. Je mets une option sur les cuisses et sur le reste aussi, d'ailleurs. Super programme. J'espère que Garfield m'en laissera un peu. Elise dit qu'il faut que tu lui laisses de quoi manger. Hein? La faim ne se raisonne pas. Je lui laisserai les os. On dirait que mon dindon arrive. Dindon, 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 dindon. En plus, il sonne à la porte. John Arbuckle, maison Gilbert, volailler de père en fils. J'ai un dindon pour vous. Merci. Hey, mais ce dindon est vivant. Monsieur Gilbert, le dindon, il est vivant. Et alors? Eh ben, c'est-à-dire que je peux pas le retirer comme ça. En fait... Vous avez gagné un dindon, n'est-ce pas? Eh bien, le voilà, votre dindon. Si vous ne savez pas quoi en faire, ça ne me regarde pas. Oh, un dindon au dîner. Je vais avoir du dindon au dîner. Un délicieux dindon rôti au dîner. Miam, 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 miam. Bien sûr que t'en auras toi aussi. Je te garderai le bec. Ce soir, nous mangerons des lasagnes. Des lasagnes au dîner? J'ai des lasagnes au dîner, de délicieuses lasagnes au four. Des lasagnes? On mange du dindon. Si tu veux du dindon rôti, rien de plus facile. Mets-le toi-même au four. Au moins, c'est pas du surgelé. C'est pas lui qui est au menu ce soir. Désolé, Garfield. J'ai pas le cœur de faire cuire ce dindon et je suis sûr que toi non plus. Je déteste quand John a raison. Heureusement pour moi, ça arrive pas très souvent. Je vais faire une sieste. John avoir raison, voilà autre chose. Mais il a raison, je pourrais pas faire du mal à cet oiseau. Je crois que j'ai parlé trop vite. D'accord, monsieur Dindon, s'il vous plaît. Désolé de vous déranger, mais je voulais juste vous demander une toute petite faveur, si vous le permettez. Eh bien, comment dire, j'avais espéré que vous pourriez... comment tourner ça de manière subtile... Sortir de
un dindon dans mon lit. Ah, alors là, on aura tout vu. Et puis quoi encore? Alors ça, un dindon dans ma gamelle. Du balai, va dans la bouche. Ah, je crois qu'il a compris la leçon. Il devrait rester à sa place. C'est mon émission préférée, Garfield. Moi aussi. Elle est sponsorisée par un marchand de volailles. En fait, j'en connais un qui mériterait vraiment de penser à la casserole. Bon, je vais juste le faire sortir. Dis donc, toi, si tu aimes tant chanter, eh bien, tu vas le faire dehors. On t'a assez entendu. Qu'est-ce qui s'est passé, là? Dindon. D'accord, dindon. Là, tu vas trop loin, je vais m'occuper de ton cas. Et où est-il? Attends, je crois que... Je le vois, ça y est, je l'ai, je le tiens, pardon. Je t'ai attrapé par le cou, je suis pas prêt de te lâcher. Tu souhaites? Ne me dis pas que toi aussi t'es allergique aux plumes. Ce dindon de malheur va tous nous rendre chèvres. Je vais l'attraper et le rapporter à Monsieur Gilbert. Oh, ça je demande à voir. Vous pensez que c'est facile d'attraper un dindon? Eh ben, pas du tout. Je crois qu'il est temps de laisser faire les spécialistes. Direction ma réserve spéciale. Maintenant, on va employer les grands moyens. J'ai tout ce qu'il faut ici. Costume de pirate, tenue de cow-boy, deux chats tigrés. Ouais, cela me sert pas vraiment souvent. Allez, zou. Ah, un costume de dindon. À part quelques miettes et des taches de gras, il est parfait. Salut, camarade dindon. John, t'es prêt? Je l'ai. T'en fais pas, Garfield. Je le rapporte à Monsieur Gilbert. Monsieur Gilbert, j'aimerais vous rendre ceci. T'étais à deux doigts de l'avoir.
Désolé, c'est pas un dindon, mais un chat déguisé en dindon. Je reviens. Je voudrais de la dinde, s'il vous plaît. Celle-ci coupée en quatre sans les poils. Cette fois, j'ai le bon dindon. Viens avec moi, Audi. Il est mignon, bien sûr, mais vraiment, nous ne pouvons pas le garder chez nous. D'accord, je vous le reprends. Vous lui trouverez un foyer accueillant. Un foyer? Ce n'est pas un refuge ici, vous savez. Vous n'allez quand même pas... C'est pourtant ce qu'on fait ici, monsieur. Et le gros orange, vous me le laissez aussi? Vu son poids, c'est une affaire. Ça va, je plaisante. Je prends l'autre. Je me sens coupable. Nous ne pouvons quand même pas... Eh, les gars, pas de panique, je m'en occupe. Parole de dindon. De chat. Reste ici, je vais affûter mes couteaux. Je vais te faire sortir de là. Sens-moi ça. À tes souhaits, à tes souhaits, à tes souhaits. Allez, c'est bon. Au travail, je vais... Pourquoi tu éternues? Tu es malade? Réponds oui. Mais si tu as la grippe, tu vas infecter toute la boutique. Attendez, revenez. Reprenez ce dindon. Mais pourtant vous... Vous l'avez gagné, il est à vous. Fichez le camp d'ici tout de suite. Bon, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? John, on a bien dit qu'on aurait un dindon au dîner ce soir. Et ce sera le cas, nous aurons ce dindon au dîner ce soir. Je suis si impatiente depuis que John m'a dit que nous avions un dindon pour dîner. Et voilà, les amis. Voilà ce que vous attendiez tous. Ma spécialité de lasagne aux épinards. Tu crois vraiment que le zoo voudra l'accueillir? Mais oui, les enfants vont l'adorer. Et maintenant que nous avons eu le dindon à dîner, pourquoi ne pas l'emmener au cinéma? Est-ce que c'est enrichissant de regarder des débats entre intellectuels? J'ai réussi à joindre mon dentiste. Si je pars tout de suite, il peut me prendre entre deux rendez-vous et soigner ma rage de dents. On peut dire que j'ai de la chance. T'aurais pas de rage de dents si t'avais de la chance. Comme la voiture est au garage, je vais devoir y aller à pied. Elle serait pas au garage si t'avais vraiment de la chance. À tout à l'heure! Restez avec nous, vous retrouverez la suite de ce débat intellectuel après ce flash info. La police signale un nouveau cambriolage qui aurait été commis par Jack le Sournois. Un voleur qui opère surtout dans le quartier ouest de la ville. Mais on est dans le quartier ouest de la ville! Jack le Sournois est considéré comme extrêmement dangereux. La police conseille à tous les citoyens de bien fermer leurs portes et de rester vigilants. En effet, Audi, vite, on doit fermer la porte et rester vigilant! Jack le Sournois rôde dans les parages! Jack le Sournois va sans doute tenter de frapper à nouveau. Ah, et voilà. On est en sécurité maintenant. Jack le Sournois, aussi malin soit-il, ne risque pas de mettre son nez ici. Je peux dormir tranquille. Enfin bon, juste au cas où. Et voilà. Hop. Je vais m'assurer qu'il n'y ait plus aucun moyen de s'introduire dans la maison. Comme
comme ça, personne ne peut entrer. Même pas le Père Noël. Oh. Ah, t'en fais pas, je les enlèverai avant Noël. Qu'est-ce que vous allez me faire? C'est fini, monsieur Arbuckle. Si vous ne mangez que de la bouillie et de la soupe dans les trois prochains mois, cette rage de dents ne sera plus qu'un mauvais souvenir. Merci, docteur. Au suivant. Reste tranquille. Non. Qu'est-ce que c'est qui c'est? Oh, monsieur Arbuckle a dû les laisser tomber tout à l'heure. Ne bouge pas, petit. Oh, il finira bien par s'en rendre compte. Il reviendra sans doute les chercher avant ce soir. Reviens. Laura? 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 Où es-tu, Laura? Réponds-moi. D'abord, tout vite, maintenant. Tu peux toujours la chercher. Oh, c'est pas normal. Elle devrait être dans sa chambre. Oh mon Dieu, j'espère qu'elle n'a pas été enlevée par le mystérieux inconnu. Et s'il était encore dans la maison? T'es cuit, mon pote. Ça a été le génie. J'ai disparu depuis 3 jours. J'aurais dû me méfier quand on a sonné à la porte tout à l'heure. J'ai pensé que c'était Laura, mais elle n'aurait jamais fait ça, puisqu'elle a ses clés. Le mystérieux inconnu voulait juste me faire des... Audi, calme-toi, ce n'est qu'un film. Oh, oh. Ah, c'est marrant, ça. On dirait que t'as avalé des maracas. T'as peur du voleur, c'est ça? Moi, t'as rien à craindre. Dans le quartier, il y a au moins une bonne centaine de maisons. Il n'y a aucune chance que Jack le Sournois choisisse la nôtre. De quoi est-ce qu'on a peur? C'est certainement John. John ne sonnerait pas à la porte, puisqu'il a ses clés. Et tu sais qui n'a pas les clés d'ici? Jack le Sournois, bien sûr. Tu as raison. Ça ressemble pas du tout à la voix de John. Tu vois ce que je vois? Il y a plus de doute. C'est pas lui. John n'a pas une joue énorme comme ça, ni ses oreilles de lapin. C'est forcément Jack le Sournois. Attends. Pourquoi il m'ouvre pas? Et ma chance a tourné. C'est bon, Audi. Il est parti. Tout va bien. Bon, ben, faut que je me débrouille tout seul. Heureusement, il y a plusieurs portes. Moi? Peur? Pour qui tu me prends? Sache que j'ai peur de rien. Oui, bon, d'accord, la seule chose qui me fait peur, c'est l'idée que Nermal s'installe ici. Mais sinon, à part ça, j'ai vraiment peur de rien. Oh non, il essaie de rentrer par la porte de derrière. Laisse-moi entrer, voyons, c'est moi. Audi, allons, sois pas si peureux. Nous devons nous comporter en héros. Faire preuve de bravoure et de courage. Et comme c'est toi le chien de garde ici, je te désigne volontaire pour nous répondre. Allez, mon beau chien. Tu n'es qu'un froussard, une poule mouillée. Chien de garde, mon œil, oui, t'as le courage d'une souris. Hé,
Je suis offensé, je trouve cette remarque extrêmement déplacée. Squeak, mais qu'est-ce que tu fabriques ici à part manger du fromage? Mais je mange du fromage. Tu as déjà vu une souris manger autre chose que du fromage? C'est quoi le problème? Non, qu'est-ce que tu fais ici alors que Jack le sournois, le cambrioleur, essaie de rentrer dans la maison? Ah, il peut bien rentrer s'il veut. C'est pas mon fromage qui l'intéresse. Squeak, qu'est-ce que je dois faire? Une seule solution, le piège à souris. Le piège à souris? Mais où est-ce que je vais trouver un piège à souris? Derrière le réfrigérateur. Il y en a au moins une vingtaine. Piège à souris? Bonne idée. Fin de ses boucans. Il est pas très discret pour un cambrioleur. Qu'est-ce qui t'amuse? Ça me fait toujours rire quand un humain se fait prendre dans un de ses engins. Malheureusement, je crois qu'il en faudra un peu plus pour qu'il s'en aille. Ça va pas se passer comme ça. Tiens, qu'est-ce que je disais? Mais pourquoi tu cours comme ça? Il va essayer de passer par une fenêtre! Mais comment on peut l'arrêter? Un autre piège à souris? J'ai mieux. John l'avait mis au grenier parce que il est trop puissant. Pas eu. Il revient à la charge. On viendra jamais à bout de Jack le sournois de cette manière. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Je vais réunir une équipe d'experts. Tout un bataillon d'agents secrets, ingénieux et intrépides. Mais un chien et une souris, ça suffirait pas? Oui, on fera avec. Bon travail. Soldats. Et je dis soldats même si vous n'êtes qu'un chien et une souris. L'ennemi est à notre porte. Pour l'empêcher de pénétrer notre territoire, il nous faut un plan de bataille. Et tu en as un? Ouais, je crois. Bon, alors, voilà ce que nous allons faire. Patin roulette en place, Garfield! Ainsi. Tu t'en sors avec le coffre, dis? Ainsi. C'est bon, laissez entrer l'oiseau dans la cage. D'accord, c'est parti. Si ça continue comme ça, je vais devoir passer par la cheminée. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Non, mais peu importe. Tout ce que je veux, c'est aller me coucher. Tada! Laissez-moi sortir! On a réussi! On a attrapé Jack le sournois! Il faut rester modeste, ce n'est que le bandit le plus recherché. Laissez-moi sortir de là! Mais là, en sourdine, Jack le sournois, hors de question qu'on te libère! Garfield, c'est moi, John! Silence! Enfin, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Non, dis, non, on ne dirait pas du tout John. Je connais la voix de John. Garfield. Ça ressemble pas du tout à... John! Oh, ça va les dents? Ouais, quelle journée, mes aïeux! Je vais me coucher direct. On peut être fiers de nous, on a bien gardé la maison. Si jamais Jack le sournois essaie d'entrer ici, on saura comment le recevoir, pas vrai? Sauf bien sûr s'il est déjà passé par là pendant qu'on était à la cave. Oh.
John décide de me laisser dans ce restaurant où on peut se servir à volonté. Il me dit « J'en viendrai quand t'auras l'estomac plein ». Il est repassé 3 semaines plus tard. Ce qui était pas plus mal, étant donné que le restaurant venait de fermer. Je leur avais vidé tout leur stock de nourriture. Oh, Garfield, tu racontes tellement bien les histoires. Raconte-en une autre. Non, pas maintenant. C'est l'heure de ma sieste. Mais comment tu peux le savoir? Tu ne portes pas de montre. J'en ai pas besoin. C'est toujours l'heure de ma sieste. D'accord, alors faites vos rêves. Attends, attends. Moi, je veux une autre histoire. Non, une autre fois, Nerval. Garfield, je partirai pas d'ici tant que j'aurai pas eu mon histoire. Alors, ça vient? Elle te plaît, celle du chat volant? Et descendez ma poubelle! Vous êtes qui, vous? Et qu'est-ce que vous faites caché dans une poubelle? Vite, cachez-vous, il arrive. Quoi? Qui? Chut! Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous parlez doucement? Je l'ai échappé, belle. Il m'a pas vu. Je peux vous faire confiance? Quel est votre nom? Je suis Nerval le chaton le plus mignon de l'univers. Pouvez-vous le prouver? Ça se voit, non? Bof. Bon, je prends le risque, tant pis. Je m'appelle X, agent X. Je suis un agent secret 000 en mission ultra top secrète. Ça alors? Un vrai agent secret? Pas si fort. Le type qu'on a vu fait partie d'un complot visant à transformer les humains en peau de banane. Vous devez m'aider. Bon, il revient par là. Ah, te voilà enfin. Je te tire. Oups, désolé. Raté. Tunaire, vous devez me cacher avant qu'il revienne. Garfield, j'ai avec moi un agent 000 en mission ultra top secrète. Je peux le cacher dans ta cabane à outils. Oh, laisse-moi dormir. Merci, Garfield. Ils vous trouveront jamais ici. Ça ira. Mais maintenant, il faut vraiment que je mange. Je dois prendre des forces si je veux pouvoir sauver toute l'humanité. Je vous apporte ça tout de suite. Garfield va être content, Audi. Je vous ai préparé des lasagnes. Je vais les laisser refroidir le temps d'aller chercher le courrier. Oh, ça y est, le repas est servi. Oh! Alors là, chapeau! Il a battu son record! Il a tout avalé en 15 secondes! N'essaie pas de m'avoir, Garfield, tu as déjà mangé! Ah bon? Oh! J'ai dû oublier! J'ai dû manger trop vite, j'imagine! Oh, j'espère que c'était bon! Ça vient de la cabane à outils! Mais à ce moment-là, les espions ennemis étaient sur le point de couler l'Australie. T'es qui, toi? Et pourquoi t'as mangé mes lasagnes? Que je croyais avoir mangé moi-même alors qu'en fait, non. Pas la peine de répondre, je me fiche de savoir qui tu es. Pourquoi t'as fait ça? Allez, du balai! Tu peux pas le jeter dehors, Garfield. En fait, c'est un agent secret. Il essaie d'empêcher la transformation des humains en peau de banane. Mais ça peut être utile de sauver les humains. Sans eux, il y aurait plus de pizza. Le pauvre. Il se fait tard. Bon, d'accord. Il peut rester, mais juste pour cette nuit. Oh, et encore des lasagnes. Oh, une pizza, oui. Allez. Pas de temps à perdre. Il faut que je petit déjeune, que je déjeune et que je goûte avant le dîner. Quand faut y aller, faut y aller. Je crois que je vais commencer par une grande gamelle de... Mais où elle est, ma grande gamelle? Je sais pas pourquoi, mais je suis quasiment sûr de l'endroit où se trouve ma grande gamelle. Et là, ils m'ont poussé du haut de la falaise. J'ai fait une chute de plus de 35 mètres. C'est pas vrai. Comment vous en êtes-vous sortis?
Heureusement, je portais ma fausse fourrure en angora, sous laquelle je cache toujours un parachute. Vous êtes tellement intelligent, Agent X. Pourquoi vous perdez votre temps à l'écouter? Il est tellement courageux. Il est allé dans tellement d'endroits, fait tellement de choses extraordinaires. Mais moi aussi, j'ai fait des choses extraordinaires. Ah ouais, comme quoi, Garfield? Où est-ce que t'es allé? Qu'est-ce que t'as fait? Oh, eh bien, je sais pas par où commencer. J'ai regardé la télévision, j'ai mangé toutes sortes de lasagnes, j'ai dormi plusieurs nuits d'affilée dans le salon, j'ai mangé deux plats de ravioli en moins de 3 minutes. L'agent X est le plus fascinant de tous les chats que j'ai jamais rencontrés. Je vous ai raconté la fois où je me suis retrouvé ligoté à bord d'une navette spatiale. Je peux vous chasser de dangereux gangsters. Vous les appelez la bande des bandes. Hé, hey, Squeak! Je sais pas toi, mais moi je croyais qu'un bon agent secret ne devait dévoiler ses secrets à personne. Et toi, Garfield, comment veux-tu que je suive l'histoire si tu parles en même temps? Oh, toutes mes excuses! Navré d'interrompre la réunion des admirateurs de l'agent X. Je te laisse tranquille. Oh, mais ce n'était pas contre toi, Garfield. Simplement, les histoires de l'agent X sont tellement captivantes. C'est pas juste. Non seulement ils me volent mes amis, mais en plus ils me volent mes repas. Non, je ne l'ai pas vu. Mais j'ai votre numéro. Si jamais je vois ce gros chat, je vous appelle. Et je vous remercie. C'est lui, il n'y a aucun doute. C'est l'agent X. Je crois qu'il est temps que l'agent secret Garfield aille mener son enquête. Attends-moi, j'ai des petites pattes, moi. Garfield! Il est entré dans cette maison. Je parie que c'est le quartier général secret des méchants espions ennemis. Sois prudent, Garfield. Ils ont peut-être des armes atomiques super puissantes ou je ne sais quoi. Je tente une approche. Couvre-moi. Ce grand bonhomme, ça doit être le chef de la bande. Quelqu'un d'extrêmement dangereux et de très puissant. À l'heure de nouveau. Toujours rien. J'ai montré la photo à tout le monde dans le quartier. Personne ne l'a vu. Je suis désolé, grand-mère. Il s'est volatilisé. Je veux pas perdre espoir. Il reviendra, je suis convaincue qu'un jour il reviendra à la maison. On peut t'offrir un autre chat. Mais je ne veux pas d'un autre chat, moi. Je veux retrouver mon Potachou. Potachou? Cet agent secret n'est pas plus agent secret que moi. C'est un imposteur. C'est juste un chat qui s'enfuit chez lui. Je vais révéler sa véritable identité et dire à ses admirateurs qui il est vraiment. Et s'il te croit pas? C'est là que j'aurai besoin de ton aide. J'ai un plan, Squeak. Écoute-moi bien. Il n'y a rien de plus beau que de contempler un coucher de terre sous la neige depuis la planète Mars. Enfin, c'est ce que je croyais avant d'avoir vu vos yeux, douce Arlène. Pause! Ça suffit! Arrêtez la musique! L'agent X est un imposteur. Son vrai nom, c'est Potachou. Il habite pas loin, avenue du Croissant. Je vous le jure! Oh, ça c'est ma couverture. Nous, les agents secrets, on a tous une couverture. Je fais semblant d'être un chat domestique. Tu devrais avoir honte, Garfield. Être jaloux à ce point-là? Jaloux? Moi? Détrompe-toi. Non, je suis content que ce soit un vrai agent secret. C'est vrai. J'aimerais pas avoir à affronter Joe la taupe. Qui c'est Joe la taupe? Joe la taupe est le plus célèbre de tous les espions ennemis. Je n'ai rien à craindre de Joe la taupe. Mes sources secrètes m'ont révélé qu'il se trouvait à plusieurs continents d'ici. Ah oui? Et qui c'est lui? Oh! Oh, vous n'avez pas à vous inquiéter, Agent X, vous pouvez le vaincre. Eh oui, comme vous avez vaincu les ninjas espions dont vous nous avez parlé. Nya! Alors, nous voici enfin face à face, Agent X. Non, il y a erreur. Vous vous trompez complètement. Je ne suis pas l'agent X. En réalité, je m'appelle Potachou. Ah, bien tenté, agent X. Mais je sais parfaitement que c'est vous. Vous m'obligez donc à utiliser les grands moyens. Ah!
l'agent X, ce n'est pas moi, je vous le jure. Prenez-y, espèce de floussard. Il faut qu'on aille l'aider. Restez ici, vous deux, je vais me dévouer. Je vole à ton secours, agent X. Wow, Garfield est beaucoup plus courageux que je ne pensais. Non, non, je ne suis pas agent secret. Mon vrai nom, c'est Patachou. Je te propose un marché, Patachou. Toi, tu rentres chez grand-mère et moi, je m'occupe de Joe la taupe. Et je ne dirai rien à tes admirateurs, ça roule? Oui, ça roule. Je rends mon tablier, je quitte le monde des agents secrets. C'est trop dangereux. Ça, y a aucun doute là-dessus. Tu vas dire aux autres que c'était un menteur? Non. Pourquoi briser leurs rêves, hein? Alors, Joe la taupe s'est enfui dans son jet top secret et l'agent X est parti à sa poursuite. Il m'a crié qu'on ne le reverrait sans doute pas avant de très nombreuses années. Il est vraiment extraordinaire. Waouh. Mais toi aussi, Garfield, tu es très courageux. Oh. Yeah. Eh bien, il est vrai que j'ai aidé l'agent X à recharger son pistolet laser. Heureusement, j'avais des piles toutes neuves à la maison. Sauf que quand je suis allé les chercher, une bande de ninjas m'est tombée dessus. Alors... Oh non, encore des voleurs de bonbons. Il y a quelque chose que j'aime pas dans Halloween. Donner de délicieux bonbons à de parfaits étrangers au lieu de les manger. C'est Halloween. C'est bon, j'arrive. Alors, Des friandises. En voilà un pour toi. Un pour toi et enfin un pour toi. En voilà un pour moi, un pour moi et enfin un pour moi. Mon réglisse. Hé, hey, Garfield, essaie de ne pas manger tous les bonbons, d'accord? Laisse-en pour les enfants. Hé, hey, le bol est déjà vide. Il n'y a plus de bonbons. Tiens, je me demande où ils sont passés. Je ferais mieux d'aller en acheter d'autres. D'abord, prépare le dîner. Ensuite, tu vas en acheter d'autres. Oh, voilà d'autres enfants, vite! Garfield, ouvre la porte! Bisous, friandise! Où on vous déguise? Désolé, plus de bonbons, revenez l'année prochaine. Garfield, ça suffit! Ouvre la porte et donne-leur quelque chose dont on n'a pas besoin. Voilà, prenez vite à vous. Garfield, tu ne peux pas donner Audi. Oh, comme c'est gentil! Les seuls bonbons qui nous restent sont ces caramels qu'on n'a pas mangés l'an dernier. Ne touche pas à ça! Oh, ça risque pas, il y a des choses que je ne mangerai pour rien au monde. Et les caramels, je déteste. Oh, tous ces bonbons que je pourrais manger! Tout ce qu'il me faut, c'est un déguisement. Voyons, Audi, t'aurais pas une idée de costume? À part celui du chat bien dodu. Plus le costume fait peur, plus t'as de bonbons. En quoi pourrais-je me déguiser qui fasse vraiment peur? Je vous parle en direct du zoo où les visiteurs s'attroupent pour voir ce qui pourrait être la créature la plus effrayante jamais vue. Effrayante? On l'appelle Godzilla, un rare et proche descendant du tigre préhistorique à dents de sabre. Tout le monde a l'air d'avoir très peur de lui. Ce qui doit vouloir dire que les gens lui donneraient tout plein de bonbons. John ne m'en voudra pas si j'utilise sa peinture. Et pour une raison bien simple, il n'en saura jamais rien. Où est ce morceau en peluche là que John a gagné à la kermesse l'an passé? Mais où il est? Ah, ça te dérange si... Bien sûr que non, tu n'es qu'un jouet. Maintenant, je dois travailler mon jeu d'acteur. Non, ça va pas. Si je dois avoir l'air méchant,
Je dois penser à quelque chose qui me mette vraiment, vraiment en colère. Ma désolé, mon chaton, mais nous n'avons plus de pepperoni pour ta pizza. Et je mets des anchois à la place. Non, plus en colère que ça. Allez, Garfield, quelques exercices aérobiques et après on mangera de la laitue tous les mois. Toujours pas. Il faut vraiment quelque chose qui me rende furieux. Hé, hey, Garfield, c'est moi, Nermal. Je vais venir habiter chez toi et je vais dormir dans ton lit. C'est ça. Allons, les bonbons. Hé, on regarde les infos? Avant de terminer, retournons voir un peu ce Godzilla. Nous ne pouvons pas nous approcher trop près de cette bête féroce. Où est la bête féroce? Où est ce Godzilla? Oh, il a disparu. Godzilla s'est échappé. Je file verrouiller les portes. On n'est pas loin du zoo. J'espère qu'ils ont des berlingots. J'espère qu'ils ont des berlingots. Ah, c'est terrible. Godzilla s'est échappé. Oh, je devrais dire aux enfants de rentrer chez eux. Oh, vous avez entendu? Il paraît... C'est un bon début. Les pommes de berlingots. Oui, c'est ça. Godzilla, il est dans ma rue. Envoyez de l'aide, enfin. Godzilla! Encore plein de bonbons. Mais toujours pommes de berlingots. Bien sûr que je l'ai reconnu. C'est Godzilla. Il est là devant chez moi. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous? Ils n'ont jamais goûté un des berlingots. C'était Godzilla, j'en suis sûr. J'étais justement en train de regarder les nouvelles quand ils ont annoncé son évasion du zoo. Je ne vous entends plus. Voyons voir. 23 maisons, 23 vols de bonbons, total en berlingots, zéro. Peut-être que j'aurai plus de chance avec les 23 prochaines maisons. Il est là, juste en dessous. S'échapper tous après lui. Il passe par-dessus la clôture. Braquez le projecteur sur lui. Est-ce que je dis à tout le monde ce que vous faites? Une cachette. Allez, vite, une cachette. Aucun signe de lui ici. Dès qu'on l'aura attrapé, on le met dans un bateau direction la Sibérie. La Sibérie? Je voulais juste des berlingots. Il faut que je rentre à la maison. Je serai en sécurité avant. Presque arrivé. Signale la présence de Godzilla dans les quartiers ouest. Il est extrêmement dangereux et nous vous recommandons une extrême prudence. Surtout, fermez bien vos portes et vos fenêtres. Tiens, on dirait Godzilla. La force! C'est Godzilla! La force! Allô, la police! Ici John Arbuckle. Godzilla est dans mon jardin. Faites vite! Allez, arrêtez! Qu'est-ce que vous faites? Vous n'avez pas le droit d'enlever mon sale papa de ma fourrure! Je suis tatoué, vous savez! Allez! Bon travail, on le ramène tout de suite au zoo! Bien fait pour lui! Allez, comme vous avez tout faux! Je suis sans Godzilla! J'habite dans cette maison! Il est là, Godzilla, il est là! Il est en train de rentrer dans ma maison! On a eu chaud! Imagine ce à quoi on vient d'échapper. Rien d'y penser, j'en ai des frissons. Laissez-moi sortir. Je veux un avocat. J'ai droit à un coup de fil, je le sais. Vous vous êtes trompé, je suis pas Godzilla. Il est chez moi dans ma maison, il menace mon chien et le type qui cuisine mes lasagnes. Il faut que je sorte d'ici. Oh, c'est ouvert en haut. Peut-être que si je grimpe... Je veux le faire. Je peux pas le faire. Peut-être que je pourrais forcer les barreaux. Ah,
J'abandonne. Je suis pas un super-héros. Je suis pas un champion de musculation. Je suis juste un chat mou et bien donné. Hey, je suis un chat mou et bien donné. Y a quelqu'un? Je suis pas censé être là. Miaou! Hey, tu n'es pas censé être là. Tu n'es pas Godzilla. Tu n'es qu'un chat mou et bien donné. Où est Godzilla? Je crois que je sais où il est. Et je dois rentrer à la maison avant qu'il ne prenne Audi et John pour des bonbons. Eh oui! Ça te dit un fruit, Audi? Dis donc, t'aurais pu m'en laisser un? Hein? Je vais nous en chercher d'autres. Je trouve pas l'interrupteur. Mais pourquoi il est plein de poils? John, Audi, Godzilla est ici. Vous le saviez déjà? On peut peut-être lui donner un truc à manger. Un os de vie ou sa niche. Non, je sais. Audi, vite, dépêche-toi de retirer le papier de ses bonbons. Allez, l'ami, bêtise ou friandise. Ça colle aux dents, les caramels, hein? On est tranquille pour un moment. Tu risques pas de nous mordre. Le voilà, c'est Godzilla. Embarquez-le. Direction le zoo. Vous devez être rassuré de l'avoir retrouvé. Ah, ça, c'est sûr, ça. Oh là là, c'est l'heure de son repas. Oh, pour moi aussi, c'est toujours l'heure du repas. Godzilla a un appétit d'ocre. Il dévore 10 steaks d'autruche, 2 saumons à chaque repas, un roast beef ou 2, une douzaine d'escargots, et en dessert, croyez-moi si vous voulez, son mets préféré, c'est des berlingots. Oh, mais c'est merveilleux, des berlingots. Oh, alors ça vient, oui, c'est l'heure du repas. Quand il y en a pour un, il y en a pour deux, non? Non, Audi, il est trop tard pour jouer à la baballe. Oh, t'es vraiment trop bête. D'accord, on va jouer à mon jeu préféré. Va chercher! Et reste-y! Fais trembler la maison tant que tu veux. Je ne vais pas me lever pour t'ouvrir, Audi. Mon propulseur à pompe photonique a disparu. Ça
Chère curieuse forme de vie quadrupède, tu m'as évité une scène de ménage. J'aime beaucoup tes antennes. Comment pourrais-je te remercier, ô étrange chose? C'est très intéressant tout ça. Oh oh, il n'est pas content. On dirait que cette créature orange égoïste a la belle vue. Et si on inversait les rôles, ça lui apprendra. Et le tour est joué. C'est bien beau tout ça, mais j'ai une baguette à acheter, moi. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Garfield ? Très drôle, tu as quelque chose à te faire pardonner ? Mais où est passé Audi ? D'où vient cette horrible puanteur ? Ça me donne la nausée. Oh, perc ! Pourquoi j'ai une haleine de chien ? Je vais aller me brosser les dents, tiens. Comment je suis arrivé ici ? Je suis somnambule ou quoi ? Ah ! Tu es là, Audi. Hein? Entre, le petit déjeuner est prêt. Ah, il a toujours pas retenu mon nom, après tant d'années. Des lasagnes au petit-déj. Une petite minute. Si lui, c'est Garfield, alors je suis qui, moi? C'est impossible. Oh, Audi et moi avons échangé nos corps, ça veut dire que... Audi t'en fera de manger mes lasagnes. Et voilà pour toi, Audi. Berk. Oh ben, je commence à comprendre d'où Audi tire son haleine. Hors de question que je mange ça. Où se dit? Reprends ta gamelle et rends-moi mes lasagnes. Bon, pas de panique. Je reviens tout de suite. Audi, tu essaies de me dire quelque chose? Oui, 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 John, c'est moi Garfield. Je suis coincé dans le corps d'Audi, fais quelque chose. Ah, j'ai compris Audi, tu veux aller te promener? Non. Ça va pas Audi? Non, je veux pas y aller. C'est un vrai cauchemar. Je dois me réveiller, c'est ça. Oui, je rêve. Réveille-toi. J'arrive pas à le croire. Audi, regarde mon émission de télé préférée, assis à ma place préférée. Dans mon corps préféré. On va encore courir 10-15 km. J'ai fait assez de sport pour mes 9 vies, là. C'est moi, Garfield. Mais oui, c'est ça. Et moi, je suis la reine d'Angleterre. Arlène, attends. Je te le jure, je suis vraiment Garfield. Je peux te le prouver. L'année dernière, j'ai mangé tout ton gâteau d'anniversaire sans faire exprès. Et je me suis endormie devant la télé à notre premier rendez-vous. Merci de me rappeler ces merveilleux souvenirs. Garfield, mais qu'est-ce que tu fabriques dans le corps d'Audi? Mais j'en sais rien, moi. Tu n'as que ce que tu mérites, à force d'embêter ce pauvre Audi. C'est vrai. Je l'ai toujours traité comme un chien. Et maintenant, j'en suis un. Oh, mais sois positif, Garfield. Pense à toutes les nouvelles choses que tu peux faire maintenant que tu es un chien. Ah oui, comme quoi? Courir après ma propre queue et passer ma journée à baver. Hey, salut les amis. Hey, vous vous promenez sur cet affreux Garfield aujourd'hui? Tu sais quoi, Arlène? T'as peut-être raison. Ah, c'est marrant. Ah.
Cody, mais t'es fou ou quoi? Ces chiens ont juré de me faire la peau. Cody, viens ici. Garfield, on dirait bien que cette fois on tient bien. Laissez-moi. Lui, enfin, moi, lui, tranquille. Cody, qu'est-ce qui t'arrive? Tu protèges Garfield maintenant? Est-ce qu'il a déjà fait une seule chose gentille pour toi? Une chose gentille, une chose gentille, non. Hein? Mon nonos porte bonheur. Adi, viens un chien, enfin chat. Pas un bruit. Pas bouger, pas bouger, d'accord? Il est parti où, le greffier? Mais attends! Comment être sûr que tu dis la vérité? Je le jure. Parole de chien. Ouf, eh ben, c'était moins une. Allez, on rentre à la maison, Odie. Hein? Odie? Odie, mais où es-tu passé, espèce de... Ah! Odie, non! Oh, ça doit être mon jour de chance. Je vais enfin me débarrasser de ce fléau une fois pour toutes. Un aller simple pour Ouagadougou. Au secours! Appelez la police! Ce facteur va poster ma fourrure en Afrique! Odie, t'es là-dedans. Ça, les griffes de chien, c'est vraiment nul. Oh, mais qu'est-ce que tu fabriques là, le chien? Encore un exemple à ajouter sur la liste de la supériorité des chats sur les chiens. Les chiens ne retombent pas gracieusement sur leurs pattes. Le voilà enfin. Hein? Tiens bon, Andy! Un portable? J'ai risqué ma vie pour un ordinateur portable? Mais où est passé cet idiot de chien? Hé, reviens ici, sale voleur! Oh non! Odie, attends! Par ici! Mauvaise pioche! Par ici! Reviens ici, espèce de sac à puce orange! Non! Pas par là! Odie, par ici! L'impasse! Adieu, monde cruel! Je regrette de ne pas avoir été toujours sympa avec toi, le chien. Adieu, Odie! Je vais où je viens, je suis un martien. Je vais où je viens, je suis un martien. Voyons voir comment se porte mon ami à quatre pattes. Par les anneaux de Saturne. Je n'aurais peut-être pas dû m'en mêler. Vite, vite, arrangeons toute cette histoire avant qu'il ne finisse en chair à pâté. Moustache adorée, ma magnifique fourrure orange. Je suis re-moi. Je suis Garfield. Pas de doute, tout est redevenu normal. Tout bien réfléchi, il y a presque assez de place pour deux sur ce fauteuil, pas vrai?
Voilà, voilà, j'arrive. Oh, fantastique, le livreur de pizza est déjà là. On vient juste d'appeler. Coucou, Garfield. Oh, Nermal. Non. Dis-moi que tu n'as pas vu ce que j'ai cru voir. Coucou, Garfield. Mais qui sonne comme ça? Garfield, pousse-toi de là. Salut, Nermal. Entre donc. Nermal est seul pour quelques jours. Il va venir habiter avec nous. C'est super, n'est-ce pas, les amis? Habiter ici? Mais dis-moi, je rêve. Bon, alors, je compte sur vous. Soyez sympa avec votre invité, d'accord? Oui, je sens qu'on va bien s'amuser tous les trois. Pas vrai? Tu l'as dit. Oh. Ah bon? Oh, mais qui a pu faire cette chose abominable? Mais oui, qui? Qui? Bon sang, mais c'est bien sûr. Ah, c'est l'heure du championnat international de patinage artistique. Je rate jamais cet événement. Ah oui, tiens. Maintenant, je dois absolument le retrouver et l'arrêter. Oh là là, je n'aurais jamais cru ça de lui. Je m'ennuie. Vous voulez pas vous amuser? On pourrait jouer à chat perché. Chat volant, tu connais? Ma jambe. Vous n'avez pas entendu crier? Garfield? Ma jambe, ma douce et fragile petite jambe me fait si mal, j'ai mal. Garfield, Odie. Miaou. C'est fou, John lui a donné mon fauteuil et ma télécommande, j'y crois pas. C'est tout simplement inacceptable. Lasagne. Ah, oh, on mange. Oh, ça tombe bien, je meurs de faim. Oh là là, des lasagnes. Hein? Non, Garfield, tu es privé de lasagne, t'avais qu'à être gentil avec Nermal. Voilà pour toi, mon petit. Des lasagnes aux quatre fromages avec supplément parmesan. C'est de la torture. Mes lasagnes favorites et adorées. Si tu as besoin de quelque chose ou si Garfield et Odie t'embêtent, tu sonnes et j'arrive, d'accord? Écoutez-moi, vous deux. Je suis responsable de Nermal pendant son séjour, alors vous allez bien vous conduire. Sinon, je vous punis pour le reste de la semaine. Pigé? Odie, Garfield, vous pourriez m'apporter un petit verre d'eau fraîche, s'il vous plaît? Ma gorge délicate est toute sèche. Odie, retiens-moi! Mais bien sûr, Nermal! Laisse tomber, Odie, on n'en a que pour quelques jours. Tu me dis un truc, ça va mal aller. Mais c'est froid! Je ne trempe mes gâteaux que dans du lait juste tiède! Aïe! T'appelles ça un massage? Tu vois pas que t'abîmes ma belle fourrure avec tes pattes de bateau? Fais un peu attention, espèce de cabot! Et alors, ces gâteaux, c'est pour aujourd'hui ou c'est pour demain? Tenez! Allez donc les chercher vous-même, votre majesté! C'est fini. Je jette l'éponge, j'arrête de servir le roi Nermal. Rien ne me fera changer d'avis, tu entends, Odie? Rien, nada, niet, c'est bien clair. Hé, hey, les amis, je vous ai préparé une petite douceur. Vous avez été si gentils avec Nermal. Garfield! Odie! Il est où mon lait juste tiède? Bon, d'accord. Tu prends les gâteaux, je vais chercher le lait.
Espèce de sale petit menteur. Tu as fait semblant d'être blessé pour qu'on te traite comme un roi, mais en fait, t'as rien du tout. Oui, et alors? Audi et toi, vous étiez si méchants avec moi. De toute façon, tu peux pas le prouver. Espèce Garfield, Audi, ça suffit. Tu ne vois pas que c'est du chiquet? Il fait semblant. Garfield, Audi, dans la cuisine, vous êtes punis. T'auras plus besoin de faire semblant quand j'en aurai fini avec toi, Nermal. Je vais devenir chèvre si j'entends une minute de plus ce satané programme de patinage artistique. Bon, voilà ce qu'on va faire. Les copains, qu'est-ce que vous mangez? Oh, rien, juste un délicieux gâteau avec des pépites de chocolat. C'est bon. Et je peux en avoir, moi aussi? Ah, bien sûr. Mais comme tu le sais, Audi et moi, ça me punit. On peut pas quitter la cuisine. Le mieux, c'est que tu viennes nous rejoindre. Vous êtes là? Non. Ce n'est pas la cloche de Nermal que j'entends là? Garfield, Audi, du balai, dehors! Donne-moi cette télécommande et descends doucement du fauteuil. Sinon quoi? Essayez donc de me toucher un peu pour voir. Bon, d'accord. Mais vous l'aurez voulu. Hey, petit chaton, je suis content de voir que tu n'as plus mal à la jambe. Te voilà comme neuf. Tu t'en sortiras pas si facilement, tu m'entends, Nermal? T'aurais vraiment besoin de pansement une fois que je t'aurai taille. Oh, ces lasagnes 4 fromages sont vraiment trop bonnes. Oh, dommage que tu ne puisses pas mâcher, tu rates quelque chose. Mmh.
J'ai une petite surprise, les amis. Garfield! Nermal est vraiment adorable. Il revient séjourner ici pour vous remonter le moral. Ça va être chouette. Patinage! Génial! Regardez-moi ces costumes à paillettes, c'est trop mignon!